Bienvenue à tous et à toutes pour ce culte. Nous le vivrons en pensant à celles et ceux qui souffrent, nos frères et sœurs de par le monde, avec celles et ceux qui se trouvent dans une situation de danger ou de précarité. Aujourd'hui, nous aurions dû être en communion aussi avec nos frères et sœurs rassemblés à Mialet, mais l'Assemblée du désert est annulée, comme vous le savez. Nous vivrons ce culte en communion avec celles et ceux qui demandent inlassablement le secours de notre prière, en particulier celles et ceux qui, comme ma consœur Béatrice Cléromazir, absente aujourd'hui, est au chevet d'un proche en fin de vie. La grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ son Fils, notre frère. Permettez-moi de rappeler quelques consignes recommandées en ce moment pour ce culte, mais aussi pour tous les autres cultes. Si vous ne faites pas partie du même foyer que votre voisin ou voisine, alors merci de vous déplacer et de laisser une chaise vide à côté de vous. Merci de garder votre masque pendant toute la durée du culte, y compris pendant les chants. Et à la fin du culte, merci de laisser les cantiques à votre place. Mon ami, mon frère, ma sœur, dégage-toi dans la mesure où tu t'engages sans compter. Prends de la distance dans la mesure où tu communies fraternellement à autrui. Le cœur humain, même le plus généreux, n'est pas inépuisable. Dieu seul est illimité. À exiger sans cesse le maximum de lui-même, l'être profond se dissocie et se perd. La parole devient alors vide et la prière inquiète. Pour retrouver un regard libre, il faut fuir et se tenir tranquille et rassemblé devant le Maître de tout. Pars donc vers la source cachée de toute chose, quitte tout et tu trouveras tout. C'était un extrait de la règle des diaconesses de Reuilly. Réunissons-nous dans la communion fraternelle avec le premier chant du livret liturgique inséré au début du psautier français. Bénissons Dieu, le seul sauveur. Je vous invite à vous. Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom, que mes mains te louent par leurs gestes, que mes pas te louent par leur chemin, que mes lèvres te bénissent à travers leurs chants, que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière, que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix, que ma mémoire te rende grâce en rappelant tes délivrances, que mon intelligence te loue en cherchant la voie de ta sagesse, que ma volonté t'honore en se faisant servante de la tienne, que mon cœur te loue en aimant de ton amour, que ma force te loue en s'offrant à toi, que mon corps demeure de ton esprit te loue sans cesse, que tout en moi te rende gloire. Amen.
Et je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 25 que vous trouverez dans le recueil Le Psautier français. Nous prendrons les strophes 1, 2, 3 et 4 de ce psaume. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. Prenez place. Écoutons la volonté de Dieu à notre égard pour aujourd'hui et les jours qui viennent. Dans l'évangile de Marc, il est écrit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée
et de toute ta force. C'est là le grand et le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. En restant à nos places, nous chantons le répond, parle, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Ensemble. Dieu, Père de tous les hommes et notre Père, que se lève sur la dureté de notre cœur la douceur de ton visage. Que se lève sur la folie de notre orgueil l'humilité de ton cœur. Que se lève sur la tristesse de nos fautes la joie de ton pardon. Que se lève sur le sommeil de notre mort la clarté de ton éternité. Que se lève sur nos soumissions, nos dépendances, la liberté des enfants de Dieu. Que se lève sur notre angoisse, la paix de ton amour. Nous te le demandons, que partout dans le monde s'accomplisse ta promesse. Soit que nous croyons, soit que nous doutions, nous te rendons grâce pour ton pardon en Jésus-Christ, le Sauveur qui est, qui était et qui vient. Amen. En restant à nos places, nous prenons le répond « J'aime mon Dieu, car il entend ma voix ». Accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel. Dis l'Éternel qui a compassion de toi. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Combien grande est ta gloire.
et nous restons debout pour confesser notre foi. Nous croyons en Dieu, notre Père. Nous croyons qu'il a créé le monde et l'être humain. Nous croyons qu'il a tout créé dans la même joie et le même émerveillement. Nous croyons en Jésus, le Christ, Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Nous croyons en l'Esprit Saint par qui le monde reçoit la vie et l'amour et qui rend possible toute justice et toute espérance. Nous croyons que nous ne sommes pas des individus isolés, mais un peuple, le peuple de Dieu, son Église, signe d'unité et d'amour, signe de la présence et de la tendresse de Dieu. Nous croyons que le monde est déjà sauvé, que le mal est déjà vaincu, et l'homme déjà renouvelé. Mais nous savons que cette résurrection doit se faire chaque jour, jusqu'à ce que Christ revienne et nous rende semblables à lui. C'est pourquoi nous attendons un monde nouveau. Seigneur, que ton royaume vienne. Amen. Et nous chantons, le répond, grand Dieu, nous te bénissons. Dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5, nous lirons ces versets placés entre les versets 27 et 32. Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi, quittant tout. » Il se leva et se mit à le suivre. Lévi fit à Jésus un grand festin dans sa maison. Et il y avait toute une foule de collecteurs d'impôts et d'autres gens qui étaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient, disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. »
Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans le recueil Louange et prière, je vous invite à prendre le cantique numéro 222. Et de ce cantique 222, nous chanterons les trois strophes. Et je vous invite à vous lever. Amis, frères et sœurs, peut-être êtes-vous comme moi, mais je m'étonne toujours que Jésus fréquente des personnes que nous appelons pour la plupart des marginaux. En tout cas, il est de notoriété biblique que Jésus a de mauvaises fréquentations. Mais finalement, je ne suis pas la seule à m'étonner, puisque les pharisiens posent eux-mêmes cette question aux disciples de Jésus. Mais pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ? Dans ce passage de l'évangile de Luc que nous méditons aujourd'hui, nous retrouvons Jésus au début de son ministère et plus particulièrement dans sa rencontre avec Lévi, un collecteur d'impôts qu'il appelle à son service. Ce récit se trouve dans les évangiles synoptiques Matthieu, Marc et Luc. Mais cet homme porte trois noms différents. Dans l'évangile de Marc, il s'appelle Lévi, fils d'Alphée. Dans celui de Luc, il s'appelle tout simplement Lévi. Et dans celui de Matthieu, il s'appelle Matthieu. S'agit-il de la même personne ? La tradition chrétienne a supposé qu'il s'agissait du même homme. Elle a même supposé que Lévi avait changé de nom suite à sa conversion en prenant le nom de Matthieu, celui qui donnera le nom à l'Évangile. Alors, qui est-il, ce Lévi Matthieu ? Il appartient à la classe des agents du trésor public, d'où le nom de publicain que nous pouvons trouver dans certaines traductions. Ces agents collectaient les taxes et les impôts pour l'occupant romain ou pour les tétrarques, leurs représentants. Ils étaient redoutés, haïs aussi pour certains. En tout cas,
ils étaient méprisés pour la plupart des Juifs qui voyaient en eux une sorte de collaborateur avec l'occupant. Ces agents en profitaient souvent pour s'enrichir de façon malhonnête. Rien de très rutilant, mais que voulez-vous, il faut bien manger. Justement, manger, telle est la question. Manger, oui, mais avec qui ? Lévi est sûrement seul à table la plupart du temps, il est infréquentable et nombreux sont ceux qui doivent l'éviter. Et alors qu'il mange sûrement avec d'autres collecteurs d'impôts, sinon il reste assis derrière son bureau, à l'écart, doublement enfermé par le regard méprisant des autres. Or, peu de temps après l'appel des premiers disciples, au début du chapitre 5 de ce même évangile, voici que Jésus l'interpelle à son tour alors qu'il est assis à son travail. Un seul mot suffit. Suis-moi. Le consentement de Lévi est immédiat et émouvant. Il se lève, quitte tout pour se mettre à l'école de Jésus de Nazareth. Aucune question de sa part, aucune objection, aucune réticence, aucune discussion, aucune justification, aucun marchandage. Lévi ne s'est sans doute pas reconnu lui-même. Il ne s'est ni enfui, ni caché. Il a suivi cet homme sans demander son reste. Et aujourd'hui, si on lui posait la question de savoir pourquoi il a fait comme ça, il répondrait sûrement « parce que lui ne m'a pas évité. Lui n'a pas fait un écart comme les autres. Parce qu'il m'a signifié qu'il m'aimait. Et surtout, peut-être que je découvre pour la première fois qu'en lui, c'est Dieu qui m'aime. » Une naïveté désarmante, ne trouvez-vous pas ? Il se leva et le suivit, tout naturellement. On comprend la hardiesse de l'appel de Jésus, ainsi que la fête que lui offre Lévi dans sa maison. Parce que Jésus demande à Lévi de le suivre, mais c'est Jésus qui suit Lévi dans sa maison pour partager un repas avec d'autres collecteurs d'impôts. Jésus se compromet avec Lévi. Non seulement il ne se contente pas de l'appeler simplement, mais il approfondit sa relation en allant déjeuner chez lui, dans sa maison, c'est-à-dire en partageant son intimité. Jésus fera plus tard la même chose avec Zachée, cette histoire racontée un petit peu plus loin dans ce même évangile. Jésus se mêle de la vie de Lévi et avec lui, et à travers lui, c'est Dieu qui se mêle de la vie de Lévi, mais aussi de la vie de ceux qui regardent et qui jugent. En allant vers cet homme, Jésus décide de rompre sa solitude provoquée par sa marginalisation. En acceptant cette proximité visible et repérable, il donne le ton de son ministère. Il donne une première leçon, entre guillemets, évangélique, mais au sens noble du terme, sur sa mission. Et il s'adresse aux bien-pensants en faisant voler en éclats les préjugés, les catégories et les classes. Non seulement il recrute un collecteur d'impôts parmi ses disciples, mais en plus il accepte l'hospitalité que celui-ci lui offre. En témoignant une attention sincère envers Lévi, Jésus lui dit tout simplement que lui, Lévi, est un homme qui a du prix aux yeux de Dieu, même s'il n'en a plus vraiment aux yeux des hommes. Il vient lui manifester que Dieu le regarde dans son amour au-delà de ce qu'il fait. Il vient lui dire que Dieu est animé d'un attachement pour l'homme qui ne varie pas en fonction de la faute ni même du repentir. Il vient juste lui dire que Dieu ne traite personne en coupable
et qu'il est un Dieu pour qui la culpabilité ne diminue pas la valeur de l'homme et qu'il est un Dieu qui ne réduit pas l'homme à son passé ou à sa faute. Tel est le Dieu gratuit de Jésus-Christ. Souvent, il nous arrive de vouloir vivre quelque chose de neuf, quelque chose d'inédit dans notre vie. Nous cherchons souvent à donner ou à redonner du sens à notre vie ou à notre existence. Eh bien, il me semble qu'ici, nous sommes témoins d'une véritable révolution. Lorsque nous recevons un tel texte, lorsque nous approfondissons notre lecture des paroles et des actes de Jésus, en passant par les paraboles, les miracles, les guérisons, la vraie révolution se situe dans l'image de Dieu que Jésus propose et qui, me semble-t-il, est radicalement différente de toutes celles véhiculées par les religions en général. Ce qui fait du Dieu des chrétiens un Dieu tout autre, comme nous disons, ou selon Jésus de Nazareth, c'est qu'à travers lui, Dieu n'éprouve ni exaspération, ni animosité à l'encontre des transgresseurs. Jésus sera finalement beaucoup plus sévère envers ceux qui n'ont jamais rien à se reprocher et qui suivent la loi à la lettre, du bout des lèvres, sans y mettre le cœur. Ici, personne n'est exclu de Dieu. Et si Dieu désire la conversion de chacun, il n'exerce aucune pression, aucun marchandage, aucune menace, aucun châtiment. Dieu aime chacun entièrement sans attendre même qu'il demande pardon. Il aime le premier sans cesse et sans qu'il y ait quoi que ce soit à faire pour obtenir son amour. Il nous donne son amour à vous, comme à moi, comme il le donne à Lévi, mais aussi à la femme adultère, au centurion romain, au paralysé, à l'aveugle né, et même au jeune homme riche qui n'est pas prêt, sans aucune contrepartie. Dieu pardonne, disons-nous. Autrement dit, Dieu donne par-dessus tout, au hasard des rencontres, sans programme préétabli, sans cahier des charges, sans aller au temple, sans obligation de sacrifice et même sans cotiser. C'est au quotidien que Dieu, en Jésus-Christ, vient à la rencontre de l'être humain. Et c'est comme ça qu'il s'adresse au cœur de l'homme. « Viens, suis-moi. » Il se leva et le suivit. « Venez à ma suite. » Ils lâchèrent leurs filets et le suivirent, sans attendre, sans discuter, mais en toute confiance. Son amour qu'il partage, son amour qu'il donne, sa grâce qu'il offre, c'est un appel et non une contrainte pour l'homme. Il n'y a pas d'exigence. Et c'est l'attitude de l'homme qui se lève et qui part avec Jésus qui devient sa réponse. Se lever est un synonyme de ressusciter. C'est un engagement, c'est notre engagement, le partage de nos ressources, la joie d'être ensemble, par exemple d'accompagner les jeunes dans leurs recherches, mais aussi d'accompagner les malades ou encore les prisonniers, ou encore de lutter contre les injustices, les inégalités, mais aussi de donner à manger à celui qui a faim ou encore de vêtir celui qui est nu. De rendre la liberté à ceux qui sont en esclavage ou en dépendance, d'alléger le fardeau des autres en marchant 4 km au lieu de 2, au sens propre comme au sens figuré. C'est cela notre réponse à l'amour que nous avons reçu. Et nous avons reçu beaucoup, alors nous pouvons donner beaucoup. C'est notre réponse à celui qui ne cesse de nous dire à nous aussi « Veux-tu guérir ? Viens et suis-moi. Quelqu'un t'a-t-il condamné ? Je ne te condamne pas non plus. Va, ne pêche plus. Et même si tu recommences, eh bien je suis toujours à tes côtés. Je ne te lâche pas d'un pouce. Mon amour te précédera toujours.
Et au moment de mourir, je suis encore là, près de toi, pour toujours. Il n'y a pas de mise à l'essai pour tester un quelconque repentir. Rappelons-nous encore ce père de la parabole du fils prodigue qui ouvre ses bras avant même que son fils n'ouvre la bouche. Rappelons-nous aussi ce même père qui voit arriver son fils alors qu'il était encore loin. Deux remarques qui seront pour nous aujourd'hui deux balises pour notre vie intérieure. En lisant la suite des évangiles, nous découvrons que les pharisiens n'ont pas bien supporté les écarts de comportement de Jésus envers les marginaux. Ils ont été jaloux de cette attitude parce qu'ils ont pensé que Jésus préférait les gens de mauvaise réputation à eux qui, par le respect des règles de pureté rituelle, mais aussi l'obéissance à la loi, la conformité religieuse, soutenaient une foi exemplaire. Ils se sont sans doute sentis comme le fils de la parabole qui est resté à la maison et qui croyait que l'amour de son père était lié à sa bonne conduite à lui. Au retour de son frère, il s'aperçoit qu'il n'en est rien. Au retour, oui, les pharisiens ne se priveront pas d'accuser Jésus de compromission. Mais la bonne conduite ne confère aucun droit sur Dieu, pas plus que la mauvaise. La véritable nouveauté de l'Évangile, c'est que Dieu n'aime pas moins les transgresseurs que les gens intègres. Il les aime tout autant. Mais c'est ce tout autant qui déchaînera le scandale et même l'hostilité des gens pieux et vertueux, leur faisant oublier leur propre humanité. C'est aussi ce tout autant qui conduira Jésus à la croix. Cette vocation de Lévi est aussi un appel pour nous. Cet éclat d'évangile, comme le souligne la théologienne protestante Marion Müller-Collard, nous est donné pour découvrir ou redécouvrir que l'évangile ou bonne nouvelle n'est jamais éloigné de nos questions quotidiennes, comme la question de notre proximité avec les autres, pas toujours facile à gérer, ni à supporter. Ce texte est là pour nous ramener à notre humanité et à notre façon de juger les autres, parce que nous n'y échappons pas. Nous espérons toujours un changement du monde. Rien ne nous empêche d'espérer ce changement et même d'y contribuer. Mais la première chose qui peut aider au changement, c'est le regard que nous portons non seulement sur le monde, mais aussi sur nous-mêmes. Et souvent, dans les évangiles, ce sont les pécheurs qui instruisent les justes, en ramenant le curseur de l'humanité au centre des relations. C'est peut-être ainsi qu'on peut essayer de comprendre et d'accueillir cet amour gratuit du Dieu de Jésus-Christ, qui ne s'est aimé qu'à fond perdu, quoi qu'on fasse de son amour. Et c'est là que nous pouvons entendre chacun pour notre part cet appel: viens et suis-moi. Et là, amis, frères et sœurs, je ne m'étonne plus que Jésus fréquente les marginaux. Finalement, nous le sommes tous. Amen.
Dans le recueil Louange et prière, nous prendrons le cantique 258. Et vous aurez déjà reconnu les premières mesures de ce cantique qui s'intitule « Tu me veux à ton service ». Nous chanterons les trois strophes. Je vous invite à vous lever. Alors voici le partage de quelques annonces. Petit à petit, la paroisse fait sa rentrée, masquée et distanciée. Patientez encore un peu, mais la feuille rose nouvelle arrivera autour du 15 septembre, comme prévu. La pause spirituelle hebdomadaire continue, mais elle est passée du mercredi au jeudi. Donc, la prochaine rencontre, c'est jeudi 10 septembre de 12h30 à 13h30, ici même, dans ce temple. Venez comme vous êtes. Le conseil presbytéral se réunira le samedi 12 septembre pour sa séance de rentrée. Merci à David Cassan pour son accompagnement musical. Comme vous le savez, le dernier morceau d'orgue fait partie intégrante du culte. C'est ce que nous appelons le morceau d'envoi. Mais chacun peut partir quand il le souhaite en laissant les cantiques à sa place. Merci. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous sommes le premier dimanche du mois et donc l'offrande sera affectée à l'entraide de la paroisse. Cette entraide a besoin de votre solidarité pour remplir sa mission
auprès des plus démunis. Et vous savez combien la situation est difficile en ce contexte sanitaire qui se prolonge. Alors, que chacun donne avec joie, sans regret ni contrainte. Dieu notre Père, tu nous combles de tes bénédictions jour après jour. Notre geste d'offrande d'aujourd'hui en est un modeste témoignage. Inspire-nous d'autres gestes d'offrande qui ne soient pas que des gestes matériels, mais aussi des gestes d'amitié ou des marques de tendresse. Nous te prions maintenant les uns pour les autres. Tu sais combien nous regardons les autres avec les yeux du monde.
des yeux qui scrutent, jauge et classe. Selon nos envies, nous accueillons ou nous rejetons. Selon nos principes ou nos idées, nous ouvrons nos bras ou nous les refermons. Ô Dieu, notre Père, apprends-nous à regarder autrement, avec des yeux nouveaux. Conduis-nous aux autres en vérité. Apprends-nous en Église à transformer notre regard et à vivre des relations fraternelles. Ô Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, tu nous regardes et nous voilà enfants, chacun reconnu et aimé inconditionnellement, indépendamment de nos statuts, de nos qualités, de nos étiquettes. Ô Dieu, notre Père, nous t'en prions, regarde-nous toujours avec ces yeux-là. Nous te présentons notre monde et ses souffrances. Nous te présentons celles et ceux qui demandent inlassablement le secours de notre prière, mais aussi ce secours matériel, affectif et solidaire. Nous te confions les personnes en fin de vie, celles qui sont entourées comme celles qui ne le sont pas. Nous te confions aussi les personnes qui ont des projets d'avenir, les couples qui ont placé ou qui vont placer leur union sous ton regard, les familles qui retrouvent le chemin de la rentrée, même masquées, même distanciées. Nous te confions la vie de notre Église locale, ses engagements laborieux à maintenir, fragilisés par le contexte sanitaire actuel, toujours inquiétant. Garde-nous tous et toutes dans l'espérance, la foi et l'amour. Enracine-nous dans la prière quotidienne, personnelle, sincère et confiante, qui nous inspire notre discernement, qui nous sauve de notre étroitesse d'esprit et qui nous guérit de toutes nos incertitudes. Ensemble, nous te disons maintenant la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et recevons maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Mon frère, ma sœur, mon ami, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne la paix. Amen.